Salut à tous, c'est Check. On se retrouve pour un nouveau combat. Donc, on m'a demandé un combat avec Matt Brown contre tout le roster, je crois. ouais, alors je vais déjà choisir Matt Brown parce que c'est un personnage que j'appréciais beaucoup dans United Sports UFC 1. Du coup, j'ai bien envie de m'essayer. Tyron Woodley, je l'adore aussi. Voilà. Mais Matt Brown, j'adorais. Franchement, il était assez puissant sur United Sports UFC 1. Du coup, je veux voilà l'utiliser. On m'a demandé donc de l'utiliser contre Mike Pyle. Oui, je ne sais plus contre qui d'autre. Contre plein de mecs pourtant, mais ouais, contre Eric Silva. Alors, je sais pas. Ouais, bah allez, Mike Pyle pour commencer, et puis j'en enregistrerai une autre plus tard. Quoique la différence, elle se fait beaucoup quand même dans les stats. 89-87. Alors que si je fais contre. Ça revient plus ou moins. Non, ouais, lui, il a un léger avantage au sol, je crois. Voilà, donc on va prendre ça pour pas que ce soit non plus trop cheaté. Brésil, allez, hop, et c'est parti. Merde, si je clique pas, ça ne partira pas. Donc voilà, j'étais un petit peu surpris quand même de découvrir que j'avais encore accès à certains modes de la bêta. Et malheureusement, bon, juste à celui-là, mais c'est bien, ça peut me permettre de m'entraîner avant la sortie du jeu. Donc c'est cool. Allez, c'est parti. Oh, bien. Ah. En même temps, je suis ouf de vouloir aller au sol s'il a un meilleur sol que moi. Oui, mon but, c'est toujours de les caler contre la grille. Boum! Allez, on en refait un. C'est pas drôle. Ah, je trouve moins intéressant que sur EA Sports UFC, hein, le Matt Brown. Ah, il m'a contré. Oh non, j'ai refait les mêmes erreurs qu'avec avec Georges Saint-Pierre.
Oh. Ah, il m'a mis cher. Fou. Oh la vache. Oh, j'ai mangé. Oh putain. Waouh. Waouh. Dommage qu'on ait pas de replay parce que là, franchement. Dommage. Hop. On en refait un, c'était assez sympatoche. Hop. Mais non, c'est vrai que ça sert à rien ça. La puissance qu'il nous a mis dans les coups. Ça va me demander de faire très attention quand même. Faut que je me batte de manière très intelligente face à lui, je pense. Oh! Oh! Je sais pas comment faire du coup pour quand ça me fait le joystick en bleu, je sais pas du tout. Je remets mon autre posture. Il me provoque, j'y crois pas. Persuadé de l'avoir contré, mais bon, c'est pas grave. Là aussi. D'ailleurs, à mon avis, dès que la caméra change d'angle, ça doit plus être dans le même sens qu'il faut orienter le joystick pour contrer. Oh, oh bien. Vas-y, approche. Approche, je t'en mets. C'était pas mal, c'était joli. Normalement, ça vaut un KO, genre de choses, mais. On va pas trop demander! Se faire défoncer la jambe. Ah, dès qu'il attaque, il avance, il recule plus, c'est chaud quoi. Wouf! Qu'est-ce qui s'est passé? Mon arme préférée dans ce jeu, c'est vraiment les coups de coude, sincèrement. Wow. Allez, je reprends un peu de cardio. Approche. Le overhand, il passe, mais ça ne passe pas, enfin je me comprends. Il est porté, mais il n'est pas...
Ah, les coups de coude, franchement, ils passent. Hein. Wow. Vous voyez, là, il s'est trop envolé, par exemple. C'est bon, c'est fini? Bon, voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me proposer d'autres combats, d'autres combinaisons de combats possibles. J'en ai encore quelques-unes avec Matt Brown, comme je vous l'ai dit. Donc, je vais continuer, mais n'hésitez pas à m'en balancer de nouvelles pour essayer de varier, découvrir un petit peu de nouveaux personnages. Voilà. Donc, passez une bonne journée et à plus tard.